Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA pour une petite vidéo. Je vais vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'y pense depuis quelques mois, et je pense que vraiment ça va peut-être marcher ou ça va peut-être pas marcher, je sais pas. Et j'ai besoin de vous tout simplement. J'en ai parlé un peu sur Facebook, sur ma page Facebook, en disant que j'y pense sur un projet, et en fait j'essaie de travailler sur un projet. C'est pas si facile, mais pourquoi pas, ça peut marcher. Donc j'ai un besoin de vous, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour plusieurs choses. Donc écoutez bien, et comme ça je pense que vous pouvez peut-être m'aider à gérer le projet que je vais faire. En fait, tout simplement, rappelez-vous, j'avais dit plus d'une fois sur mes vidéos, j'avais fait aussi un live avec Damien en disant que l'argent sur YouTube, j'en avais pas besoin, ça me sert à rien. C'est vrai, l'argent ça me sert à rien. YouTube c'est pas un travail, c'était pas une passion. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, j'ai besoin de l'argent, mais c'est pas pour moi. Ça va être pour aider des personnes en difficulté. Donc, c'est-à-dire en fait des personnes handicapées, parce que c'est vrai, ça peut être pas mal de les aider à leur faire des cadeaux ou à leur faire un don. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, c'est des jeunes qui sont vraiment handicapés, mais j'ai envie de faire ce don en fait pour les aider. Donc, tout simplement, j'ai trouvé une école qui est vraiment pas loin de chez moi pour aider ces jeunes. Faut que je prenne rendez-vous avec eux pour voir si ça les intéresse et tout. Essayer de négocier et tout pour le petit don. Pourquoi pas, ça peut être vraiment pas mal leur faire un petit don. Et je pense que moi ça me fait plaisir parce que je pense que ces jeunes-là ils ont besoin. Et c'est des jeunes qui ont des difficultés et puis voilà qu'il faut vraiment les aider. Faut pas les laisser de côté. J'ai envie de vous dire, c'est des gens normaux. C'est des gens comme toi, moi, et voilà, on est peut-être tous différents, mais on est tous, voilà, ils ont tous un cœur, même s'ils sont handicapés. Ils ont quand même un cœur, c'est ça qu'il faut se dire. Donc je pense que ces jeunes-là, il faut les aider. Et en fait, ce don-là, ça peut servir tout simplement. Ça va. Après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire des sorties, s'ils veulent acheter des choses pour eux, ils se débrouillent. En fait, ça va être un don que je vais faire à une école qui s'occupe vraiment des personnes qui sont handicapées. Il n'y a pas que des personnes handicapées, il y a des personnes qui sont en difficulté pour plein de choses, mais voilà, ça peut les aider tout simplement, ce don. Donc j'aurais besoin d'une personne ou de plusieurs personnes qui me trouvent un bon lien où je peux faire des dons, où on peut faire des dons tout simplement, que ça fait rapport avec mes vidéos. Dès que je le mets par exemple sur une vidéo, dès qu'on peut faire un don, vous cliquez dessus et vous faites un don. En fait, j'ai regardé un peu sur YouTube, j'en ai pas beaucoup trouvé. J'en ai trouvé un, mais je sais pas comment ça marche. Parce que il y en a beaucoup qui sont en anglais. Puis après, il y a des choses qui sont compliquées. Donc pour moi, j'arrive pas trop à les faire. Donc si vous pouvez, par exemple, si vous connaissez un bon lien où on peut faire des dons, ça peut être vraiment pas mal. Avec bien sûr qu'il y a un rapport avec ma chaîne. Faut pas que ce soit un lien que vous me chopez d'une autre personne. C'est vraiment un don que moi je peux créer moi-même, ou voilà, qu'on passe le compteur de zéro et après qu'on monte. C'est ça que je veux vous dire. Comme je veux pas un lien d'un youtubeur, puis c'est lui qui récupère les dons. Non, non, je veux pas ça en fait. Tout simplement, voilà, je vous disais, ça peut aider les personnes parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui se moquent des personnes handicapées et tout. Ça vous sert à rien du tout, les amis, de vous moquer des autres. Parce que tout simplement, si on se moque des autres, c'est-à-dire qu'on. Tout simplement. J'en veux dire, si on se moque des autres, c'est-à-dire qu'on est débile, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cœur. Et en gros, ça sert à rien du tout de se moquer des autres. C'est ça que je voulais vous dire. Tout simplement, je pense que. Je dis ça, c'est juste la vérité, parce que j'en vois pas mal sur Facebook. Voilà. Je prends. Comment s'appelle la petite exemple de la petite jeune qui avait fait la météo, qui avait présenté la météo, qui était un peu handicapée. Elle avait présenté la météo, tout le monde s'est moqué d'elle, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je parle aussi sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui se moquent d'elle. Mais ça vous sert à quoi, les amis, de se moquer d'elle? À rien du tout. C'est une personne normale. C'est juste qu'elle a des difficultés et elle l'a présentée. Elle l'a fait, la météo. Au moins, elle a osé. Parce que vous regardez, c'était une personne handicapée. Mais elle l'a fait, elle a présenté la météo. Mais qui dit pas des gens comme vous ou voilà, comme moi. Moi, je l'aurais pas fait. Sérieusement, présenter la météo, c'est des choses qu'il faut faire. Elle l'a fait, elle a eu raison. Elle a eu le courage de le faire. C'est pour montrer d'un côté que c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils peuvent pas faire des choses comme nous, loin de là. C'est pour ça qu'il faut se mettre en compte, arrêtez de vous moquer des personnes qui sont handicapées, ça vous sert à rien. C'est juste un conseil, ça vous sert à rien du tout, ça peut être une personne de votre famille. Et c'est ça qu'il faut se dire, ça peut être par exemple, d'ici quelques années, vous pouvez avoir un enfant handicapé. Donc c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous moquer des autres, ça vous sert à rien du tout. La personne est handicapée, certes,
Mais il faut les aider, faut pas les enfoncer. C'est pas parce que qu'ils sont handicapés qu'ils sont pas intelligents. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça vraiment qu'il faut se dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de vous tout simplement pour faire par exemple des dons si vous voulez faire des dons à l'école que je vous parle. Donc c'est pour ça qu'il faut que je parle avec eux, je vois. D'ici là, si j'ai des nouvelles, je vous mettrai l'accord dans les. Bah, si c'est ok, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, dans les commentaires. Je vous dirai c'est bon. Et je mettrai le lien. Si j'ai le lien des dons, on pourra les mettre juste en dessous. Je vous dirai bah, c'est bon, on peut faire les dons, c'est parti. Et du coup, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore l'accord. Je préfère vous en parler. Ça peut être eux, ça peut être autre chose. Parce que si par exemple, ils veulent pas, ça peut. Faut que je trouve un autre moyen. Soit. À des enfants qui sont malades ou des trucs comme ça peut être vraiment intéressant aussi. Là, je veux commencer par des jeunes handicapés, voir si ça peut marcher, ou par la suite, ça peut être des enfants bah, tout simplement malades. Donc, c'est à voir vraiment par la suite comment ça va se développer tout ça. Donc, c'est pour ça, oubliez pas, si j'ai besoin de vous, c'est juste pour les dons et que vous me trouvez, au moins si je trouve avant, un lien tout simplement pour, bah, pour les dons tout simplement aussi. Donc voilà, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Bien sûr, ça sert et n'oubliez pas bah, quand je vous disais bah, il faut pas se moquer des autres, il faut vraiment les aider. C'est pas parce que qu'ils sont handicapés, qu'ils sont pas intelligents, c'est loin de là. Ils sont handicapés, mais ils sont quand même intelligents et je pense que il faut se mettre ça en tête les amis, il faut pas se moquer des autres. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de laisser votre avis dans les commentaires. Bah, si vous voulez me donner un petit document, ça peut être vraiment pas mal, je pense, ça peut les faire plaisir. Et d'ici là, si ça marche, je ferai une autre vidéo pour vous en parler un peu du projet avec eux. Et je pense que ça peut être assez fun, donc je vous tirerai au courant peut-être la semaine prochaine. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal de faire un don hein, et m'occuper de ça tranquillement. Ça peut changer un peu, mais au moins je sais que l'argent, au lieu que ça dort par exemple sur YouTube, ça ira tout simplement à des jeunes qui en ont besoin. Au lieu de me prendre la tête, ou même pour les dons, ça évitera que ça dure sur un site, entre guillemets, sur mon. Voilà, je sais. Pour éviter que ça dure, ça ira voir. Ça va aider des jeunes. Ça peut être vraiment pas mal. Au lieu que ça dure tranquillement de l'argent, faut vraiment aider les autres. Moi, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que tout simplement, genre. J'ai besoin d'aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et de donner votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas, je vous ai dit plus d'une fois, vous moquez pas des autres, ça vous sert à rien. Parce que bah un jour ça peut retomber sur vous et ça peut vous faire mal et ça peut tout simplement vous pouvez avoir des enfants plus tard en difficulté donc handicapés donc c'est pour ça évitez de vous moquer des personnes ça vous sert à rien. Donc voilà moi j'espère cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très vite, ciao bye bye, bon gamme à tous, salut.